Précédemment, nous avons fait notre premier challenge One Football avec la machine à ballon Goleador. Nous avons remporté notre match contre Fourqueux 3-2, qui est un concurrent direct à la montée. Nous avons ensuite joué contre Écuvilly. Nous avons gagné le match sur un score serré, 1-0. Et aujourd'hui, on joue un match amical contre Magnanville. On a choisi de prendre quasiment tout notre effectif pour pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde. Wow. Est-ce que vous savez qui c'est le numéro 66? Il y en a un seul, Alexander Arnold. Hey, il fout des bombes, ça y est. Il fait froid, il casse la tête. Un petit mot pour le nouveau maillot, quoi. Tous les grands. Voilà, arrête, Mathieu. C'est. J'avoue, j'ai pas osé. Esthétique, ça fait penser un peu à un truc de Minecraft. Voilà, moi je trouve qu'il est un peu bien, c'est un peu militarisé. Voilà, camouflage. Comme ça, on peut plus se cacher sur le terrain. Il y en a qui se cachent sur le terrain, ils veulent pas avoir la balle. Hein? Moi? Moi je vise tout le monde sauf Tom. C'est pour la vidéo, ma gueule, c'est pour Tom, t'as comment il est méchant avec moi? Et voilà, c'est tout. Il est grave, enfin, voilà, il est grave méchant avec moi. Là, je rigole un peu. Tom, c'est très bien, c'est faux, ma gueule. Et toi, un petit mot sur maillot? Moi je kiffe, hein, le maillot, j'aime bien. Franchement, il est vraiment cool le maillot. Il est sympathique. Plus, on peut voir derrière. Tu peux tourner, s'il te plaît, le modèle? Voilà. On peut voir derrière qu'il y a un petit sponsor One Football qui va bien. Ici, on a le culte, voilà, la religion, Peace and Game. Donc voilà, c'est un peu rétro tout ça. On adore, on représente son quartier, bien sûr, 95, c'est ça. Hein, juste la ville, voilà, pas le quartier, la ville. J'ai fait une dinguerie. Non, ça y est. Je vous jure, vous allez manger une balle. Comme ça, c'est Ronaldo et tout. Je regarde dans les équipes, t'as des grandes équipes avec. C'est ça que tu veux, tu fais une petite présentation. Ouais, gros scotch, gros gain, gros respect. Petit match contre Magnanville aujourd'hui. Petit match contre Magnanville, amical. C'est bien, ça va donner du temps de jeu à tout le monde. Il y a des gens, ils ont pas joué, ils ont fait aucun match. Et c'est bien, pour toute l'équipe. Regardez. Tu tires, tu gardes les yeux sur le gardien jusqu'au dernier moment. Et normalement, il va anticiper sur un côté. T'as juste à choisir l'autre côté. Regarde bien. Et normalement, là, je vais le refaire pour vous. C'est ça pour ça. Non, mais montre pas, monte pas, arrête, monte pas. Un pas dedans. Allez, reste te voir. Oh, les câbles, je même pas cadrer. Voilà. Rien. Mais parce que moi, j'ai un gars à risque. Ouais, les gars qui font des petites feintes. Dégage. Voilà, les petits. Ils sont tous trop mignons, ils en tireront jamais un match, j'en laisserai pas un. Hein. Regarde-les comment ils sont mignons. 2, 3, comment ils sont. Et personne ne parle à l'arbitre.
Oh, super Nathan. Non, non, non. Oh, les gars. Oh, c'est bien, oui. De base, j'étais juste censé venir récupérer mon maillot et je me retrouve à jouer. Le match se termine donc sur le score de 3-0 pour nous. On fera match retour dans la saison. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est là avec le Vinska FC pour la fondation PSG qui est venue en fait sur notre terrain d'entraînement à Magnanville. Petite coïncidence du calendrier, la fondation est là avec tous les jeunes de la région. Et nous on est là pour faire un peu de football avant ce petit confinement qui va nous faire arrêter la saison malheureusement. C'est peut-être le dernier moment où on va pouvoir profiter avec les jeunes. Donc on est là, on s'amuse, on fait un peu de ceci foot, un peu de tout. Tout le monde est là, tout le monde kiffe. Il y a beaucoup de monde. Je vous montre un peu les images de ma session de ceci foot. C'est pas pour moi. Peace. C'est impossible. Regardez sa action du Maria. C'était dur alors les demander? C'est dur de ouf? T'as réussi à avoir la balle une fois? Non, pas du tout, zéro! Non, c'est dommage. Je mettrai tous les meilleurs moments de mon match sur YouTube. Ça fera une vidéo de 16 secondes. N'hésitez pas à aller checker, swipe up. Salut à tous les supporters du Vinska FC. Je voulais vous remercier déjà pour tout le soutien sur les réseaux, Instagram, YouTube et tout. C'est ultra lourd. C'était ultra lourd parce que avec le confinement, du coup, il n'y a plus de match. Mais bon, ça va revenir assez vite, j'espère. Ça va revenir un jour ou l'autre en tous les cas. Donc merci beaucoup de continuer à nous soutenir. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs continuent à s'entraîner. Hein, à s'entraîner fortement chez eux pour garder la forme et être prêts pour la reprise. On ne sait pas c'est quand, mais bon, elle va avoir lieu un jour ou l'autre. Donc check ça en image. Salut à tous, c'est Tom. Bon, direction le sport. Romain, il nous a donné des exercices à faire pour nos,
pendant ce confinement, donc du coup on va aller les faire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui petit footing matinal. Regardez la forme. Alors évidemment, on reste à proximité du domicile, hein. On respecte les mesures sanitaires. Je viens de me faire rejoindre par un joueur du Vinsky FC. Ma chère Boisiz. Ça court, ça court. Bah, tout d'abord, mon début de saison, comment il s'est passé? Il s'est très bien passé. Je me suis bien intégré à l'équipe. Je m'entends bien avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Donc c'est super. Après début de saison, il est bien, on n'a pas perdu encore. Personnellement ça va, je suis content de mon début de saison. J'ai pas mis de but malheureusement, mais j'ai fait des passes D. Donc ça va, mais les buts ils vont venir. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais je sais que ça va venir. Pendant le confinement, bah, voilà, on essaye de garder la forme, hein. Des petits footings réguliers. Puis voilà, on espère vite un retour sur les terrains. Voilà, avec comme objectif bien sûr la montée. Hein. On était bien parti pour enchaîner les victoires, j'ai envie de dire, mais voilà, on a été stoppé sur notre lancée, c'est dommage, mais je suis plutôt confiant pour le reste de la saison. Bah, personnellement, j'ai joué tous les matchs 90 minutes, donc sans titulaire et sans sortir, donc ça, c'est bien pour la confiance. Je pense que j'ai fait des bons matchs. Il y a quelques matchs où on n'avait pas trop de repères, mais sinon ouais, ça s'est plutôt bien passé. J'ai marqué 2 buts, donc ça m'a fait plaisir. Personnellement, j'arrive à plus me trouver avec les mecs du milieu, avec les recrues, etc. Donc ça fait toujours plaisir et c'est pour ça que personnellement, pour moi, c'est positif. Collectivement, bah, on est premier du championnat. On a gagné tout le monde. On n'a pas encore perdu. On a fait un match nul, mais on n'a pas perdu. Juste, on galère à finir un peu devant, c'est-à-dire qu'on gagne un peu les matchs sur le fil. On se fait peur et tout. Mais sinon, je pense que les attaquants Nathan, Paul, Ibou, Tom, Raïm, etc., ils vont faire le taf. Allez, 204, 205. Confinement, comment il se passe? Bah, c'est simple, j'ai eu mes cours. Et après, je joue aussi beaucoup à la play. Et après, essayer de faire du sport aussi. C'est important pour garder la forme. Mais ouais, c'est important. Là, pendant le confinement, moi, je fais énormément de sport pour essayer de m'affûter et revenir bien, revenir préparé. Comme ça, ça se sentira sur le terrain. Confinement, bah moi, mon confinement, je suis blessé. Je me suis blessé juste avant le confinement. Fissure du ménisque externe du genou droit, je me fais opérer le jeudi 12 novembre. Donc, quand la vidéo sera sortie, je pense que je me serai fait opérer la veille. Je sors pas parce qu'il faut pas sortir. Sinon je bouge pas, je reste dans mon canapé, je regarde le foot, je suis mes cours en ligne, je fais du télétravail aussi, donc voilà, ça se passe plutôt bien. Oui, ça continue à travailler, c'est dur, hein. Ça rigole pas. Sinon vous le savez sûrement, notre troisième sponsor cette année c'est OneFootball, l'application numéro 1 dans le domaine du foot. N'hésite surtout pas à la télécharger, c'est dans la description, t'as un lien, elle est gratuite, iOS et Android, et vous aurez du coup toutes les infos sur les clubs que vous supportez, la nation que vous supportez, mais pas que, des articles sur un peu tout, tout ce qui vous intéresse, bref. Si tu veux vraiment rien louper, mercato, etc., c'est OneFootball dans la description. Alors, je vais vous montrer un truc que j'ai fait chez moi aussi. Les 4 maillots qui ont existé dans l'histoire du Vinsky FC pour l'instant, donc création 2017, 2018, 2019 et maintenant 2020, que les maillots de domicile, bien sûr. Combien de maillots il y aura sur ce mur? Combien d'années? C'est strictement rien. Voilà, c'est la fin de l'épisode, merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère que le foot amateur va reprendre assez rapidement, en tout cas que tout le monde puisse reprendre le foot dans de bonnes conditions sanitaires. On compte sur vous pour votre soutien, un grand merci à tous, c'était du coup le Vinsky FC, et comme en Vinsky FC, n'oubliez jamais, on reste ensemble. Okay, for my win, for my win. I need my